Madame Zainab Camara. Madame Zainab Camara, née quand? Le 27 janvier 1981. Où? À Conakry. De qui et de qui? De Fode Issa Camara et Ariatou Mbassa. Tous vivants? Oui. Votre profession? Gestionnaire. Vous êtes domicilié où? À Lambagny, commune de Ratoma. Vous êtes marié? Marié, mère de 2 enfants. Avez-vous déjà été condamné? Non, jamais. Avez-vous accompli vos obligations militaires et licenciées? Non. Oui, est-ce que vous avez un surnom? Non. C'est vrai? Oui, monsieur le président. D'accord. Madame, vous êtes renvoyé par devant la présente cour pour avoir en tout cas à Conakry, depuis tant non couvert par la prescription, détourné la somme de 15 milliards de francs guinéens au préjudice de l'État guinéen. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en votre qualité d'agent public, après une mise en demeure, était donc dans l'incapacité de justifier l'origine licite des ressources qui vous, selon les termes de la poursuite, vous ont permis d'être en possession d'un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec vos revenus légaux. Aussi, convertir ou transférer des fonds en sachant qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une activité criminelle, dans le but de cacher ou dissimuler l'origine licite des divers. Accepter directement ou indirectement des libéralités pour vous-même, afin d'accomplir ou de vous abstenir d'accomplir des actes dans l'exercice de vos fonctions officielles. Et en votre qualité d'agent public et investi d'un mandat électif, avoir pris, reçu ou conservé directement ou indirectement des intérêts quelconques dans le paiement des primes, salaires et indemnités des députés et dans le paiement des factures liées à la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 19, 652, 764 et suivants, 776 du Code pénal, 712 et 113 de la loi numéro 2021-024 du 17 août 2021 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 3, 4, 45 et 52 de la loi du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. Madame, reconnaissez-vous ces faits? Non, monsieur le président.